Oui, c'est vrai, quand on m'a dit que j'étais champion de France avec les amateurs, ben, c'était une grande satisfaction, l'objectif était rempli. Et en fait, en allant au podium, je ne pensais vraiment pas faire, même dans les 10 premiers chez les professionnels. Et puis je voyais que mon temps n'était pas jamais battu. Et jusqu'aux 3 derniers, en fait, donc je fais 4e. Et donc là, c'est vrai que ça donne une autre saveur par rapport aux professionnels. Donc je montre que j'ai le niveau pour faire de belles choses chez les pros et c'est une grande satisfaction. Oui, ben c'est vrai que depuis mon retour de la Coupe de France, ben j'ai eu beaucoup de marques de sympathie de beaucoup de personnes. Je pense que j'ai rendu fiers les Marseillais, les Gombertois et ben tous les gens qui m'ont croisé, qui roulent avec moi le dimanche, des fois au groupe à Marseille, tout ça. On est pratiquement 200 à partir, donc c'était une grande fierté de rouler avec, je pense pour eux, de rouler avec le champion de France de contre-la-montre. Et puis ils m'ont vu depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé. Donc voilà, c'est un peu une consécration. Et voilà, après c'est vrai qu'on a fêté ça en famille et on va continuer avec le club ce vendredi. Et le but aujourd'hui, bah, c'est de ne pas s'arrêter sur cette jolie performance et de continuer. On a un gros programme jusqu'à fin octobre, donc on va continuer. On a la Coupe de France où on est très bien placé, on est quatrième, donc on voudrait peut-être grappiller peut-être une place encore. Et puis personnellement, bah, c'est vrai que j'aimerais pourquoi pas faire une course avec l'équipe de France chez les professionnels. Ce serait une belle consécration. Et puis voilà, on va avancer. Puis après, c'est vrai qu'en fin d'année, ben, il y aura le chrono des Herbiers, donc le Grand Prix des Nations, c'est un contre-la-montre. Et le duo dormant avec ben, Anthony Pérez, parce que ça serait sympa de faire le premier et deuxième au championnat de France amateur. Et voilà, ben, je vais essayer de faire briller le maillot bleu-blanc-rouge.